Je sais que t'es à l'antenne, le fils de Cyril l'appelle en direct dans TPMP pour une urgence, ZATV. Ce jeudi 19 janvier 2023, Cyril Hanouna était aux commandes d'un numéro inédit de son talk show Touche pas à mon poste. Alors qu'il recevait Gad Elmaleh, l'animateur a reçu un appel de son fils. Lino a pu ainsi échanger avec l'humoriste, sans aucun enthousiasme. Une annonce à faire passer. Depuis plus d'une décennie, Cyril Hanouna présent Touche pas à mon poste. Depuis, le trublion du PAF a vu passer de nombreux chroniqueurs autour de sa table. Si certains sont restés, d'autres ont quitté le navire. Pour les plus anciens, ils ont réussi à construire une vraie relation avec le chef d'orchestre de l'émission. Cyril Hanouna n'hésite pas à avoir des discussions cachées sans filtre avec ses équipes qu'il voit comme une famille. C'est ainsi que le mardi 10 janvier 2023, sur les conseils de Kelly Vedovelli, Mathieu Delormeau a dévoilé un tout nouveau look. Surpris de la situation, Cyril Hanouna lui a posé un ultimatum. Une séquence qui a beaucoup amusé les chroniqueurs en début de l'émission. Plus tard, alors que Raymond Ahabou s'est remémoré avoir participé à un dîner presque parfait, Cyril Hanouna s'est vivement moqué de son chroniqueur. T'es sûr que t'as pas fait un dîner presque parfait? Ce jeudi 19 janvier 2023, Cyril Hanouna présentait une nouvelle édition de Touche pas à mon poste. Sur C8. Dès le début de l'émission, l'animateur de 48 ans a reçu Gad Elmaleh sur son plateau. Alors que Béatrice Rosen a mis mal à l'aise l'humoriste en racontant une anecdote le concernant, le chef d'orchestre de TPMP a reçu un appel de son fils. Pour les fans de l'émission, ce n'est pas une surprise, à tout moment, Cyril Hanouna peut prendre son téléphone pour répondre en direct. Je sais que tu es à l'antenne, mais y a PSG à Alana SSR qui joue, déclare alors Lino. Son fils, au téléphone. Un message qui a laissé perplexe l'animateur. Ça va toi sinon? Ça a été l'école? Tu connais Gad? Tu l'aimes bien? Lui demande-t-il à son fils. Oui, je l'aime bien, répond Lino, qui ne semble pas impressionné par l'invité. Une séquence qui va ensuite attiser la curiosité de l'humoriste, venu assurer sa promotion pour la diffusion de son spectacle. Salut Lino, tu connais les mignons? Demande-t-il avant d'ajouter, tu connais le personnage de Groll? Tu sais que c'est moi qui fais la voix. Face à la question, le fils de Cyril Hanouna reste de marbre, ah ouais. Sous les rires des chroniqueurs et du public. Gad Elmaleh imite son personnage, croyant faire plaisir au jeune enfant. T'es content? Demande alors son père. Ouais, répond enfin Lino, sans aucun enthousiasme. Sûrement pris dans le match de football. Il n'est pas rare que les interventions de Lino dans TPMP amusent le plateau.